gouvernement qui nous a régi. Ce pouvoir, il a été grandement acquis, conquis par le RHDP. C'est un gouvernement RHDP. Si demain, le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, dans sa discrétion désirée, dans l'intérêt de la nation, si le président de la République décidait de recevoir au sein de ce gouvernement des militants d'autres partis dans l'intérêt de la paix, ça ne serait pas un gouvernement d'union. Ça serait un gouvernement de RHDP à l'intérieur duquel il y a des militants de l'opinion. Aucune pression, et je sais de quoi je parle, aucune pression n'a été exercée sur le président de la République pour libérer nos frères bien-aimés. La seule pression qui a amené le président à prendre, à accompagner cette décision de la justice, c'est l'intérêt de la nation. Et ce sont eux qui demandent aujourd'hui les états généraux de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'accompagnerons jamais un tel projet. Il n'y aura pas d'état généraux de la République dans ce pays. Le seul état dans lequel aujourd'hui est visé le regard des Ivoiriens, c'est une Côte d'Ivoire en marche vers l'émergence. Rien ne pourra nous détourner de cette vision politique. Je vous remercie.